Vois-moi un filou. Vois-moi un filou. Je comptais t'envoyer en Belgique. Tu es en aventure, tu souffres dans l'otinage. Alors que je pouvais te payer le billet d'avion. Tu es là, tu discutes une femme. Parce que j'ai frappé une fois sans clé. Tu as doté à combien? Tu as doté à combien? C'est très grand, hein? C'est très grand. T'as même, tu vois comment ça. C'est ça, une maison comme ça, mon beau. Même pas la porte. Une maison qui n'a ni de porte. Il y a quelle différence sur la maison? C'est celle qu'on a laissée là-bas chez nous. Hey, mon beau. Ça m'a regardé toi-même le genre de maison aussi. La maison qui n'a pas de porte, tu veux que je vienne vivre ici? D'où j'étais même en planche là-bas, c'est vrai que pour me rester couché au lit, on m'envoie la même métier, mais au moins, il y avait la porte. L'autre aussi, c'est quelle qualité? Merde. Avec les enfants, je vais vivre comment ici? Ce qui me dérange même, c'est que tu es couché de l'autre côté, on vient retirer les lacs. Est-ce que c'est normal? Les souris s'envolent par-ci par-là, je suis dépassé. Tu vois, bah, c'est la cuisine. Tu vois la cuisine, c'est montée. Quelle cuisine? On va retirer la porte, sinon on met ici, vous vivez dedans. Tu vois comment? Ha! Toi-même, tu vois comment? C'est pas si mauvais, gars. Hein, la main. Moi, je suis honteux pour un cœur. Tu as retiré la porte si on met ici, c'est bon non? Tu t'en sors avec les enfants. Je m'en sors quoi avec les enfants? Je m'en sors quoi avec les enfants? Je travaille même pas pour commencer. Non. Je suis qu'à la maison. Tu proposes quoi on fasse comment? Moi je pense que, chérie, si tu es d'accord, je descends avec les enfants et pas voir ma mère. Aujourd'hui, je manque. Je t'ai dit une affaire sinon. L'affaire que les femmes viennent, elles disent qu'elles passent sa mère là. Après, tu vas comprendre que non, elle a trouvé, elle y a un troisième homme quelque part dans notre foyer. Quel troisième homme? Tu veux dire que c'est mon mariage? Non, non, non. C'est mon ami, il ne peut pas accepter qu'il engage dans le trou. Tu connais ma situation avec ton frère, la famille et tout. Votre affaire d'aventure là, je vous supporte encore trop dans ça. Et Allah jusqu'à me manquer le respect en disant, tu veux déjà mettre les mauvaises choses dans la tête de mon mari. Ce n'est pas ça. Et toi-même, tu connais notre situation. Je ne refuse pas toujours ton aventure. Mais je vois que ton ami veut déjà. Je vais rentrer voir ma mère. Avec les enfants. Je ne travaille pas. Je vais mettre les enfants où? Quand toi même tu vois le bras de ton mari, si tu vois ma part, c'est qu'on va s'en sortir. Hein mon type? On va s'en sortir. On dit seulement l'aventure parce qu'on n'a pas bien les moyens pour prendre l'avion. On part en aventure, mais on a le travail là-bas. Tu comprends? On a tout prévu là-bas. Tu comprends? Hein mon type, tu vois comment? Pardon, supporte. Mon ami, c'est l'avant. Supporter quoi? Les gens mettent en aventure tous les jours, tu ne vois pas. Ah, donc tu le vois, nous sommes travaillés comme ça. Regarde mes moulins, regarde juste travailler. Même en qualité de danseur, nous sommes les meilleurs. Tu penses qu'on va seulement partir là-bas tourner comme ça? Si tu vois, on te montre encore un petit peu le dernier point que qu'on a créé. C'est ton problème. Montre-lui un peu savoir. Ça va, ça va. Ça même, va. Tu vois que avec ça, dans les rues, on va s'en sortir de l'autre côté. C'est bien, je vous encourage, mes chéris, en attendant, je ne peux pas vivre ici. Tu sais que nous n'avons rien comme revenu. Avec les deux enfants, on les a chassés de l'école l'autre jour. Je travaille quoi? Je me mets à genoux seulement, pardon. Acceptez. Mon ami, s'il va nous aider à nettoyer la maison, on va aménager ça normalement. Et puis, on retire la porte ici, on met ici, on balaye un peu là. On asperge un peu. Dès que tu approches ton rideau, un peu comme tu les nordistes. Personne ne va te déranger dans le quartier, ça c'est un quartier sécurisé. Hein, ma mère? Tu es ma mère. Tu vois, non? Tu es la femme de mon mère, tu es ma mère. Tu vois un peu, non? Ça en va tout aller. Cas, chérie, je t'ai dit, je vais aller trouver ma mère au village avec les deux enfants. Si tu veux, en courant, à partir dans votre aventure, je ne peux pas rester dans une maison sans porte. De l'autre côté, en planche, je rentre au village. Je te vois, mon petit. Laisse être au village, mais cause avec ta mère par rapport. Parce que tu sais que, quand, c'est que étant toi jeune, tu es debout, tu vois, même celle qui est vieille, étant assise, voit plus que toi, non. Donc cause avec ta mère, elle peut te conseiller autrement, elle peut avoir notre opinion, elle peut être avec nous, hein yo, elle peut être avec nous. Donc tu vas causer ta mère, tu poses un problème, même elle a dit ce qu'il faut faire.
Chérie, je rentre au village. Si ma mère est d'accord, je prends nos deux enfants, je m'en vais vivre au village pendant que tu es dans ton aventure. Tenez, non. En tout cas, on va voir. Je vais en voir. Ok. Merci quand même, gars. Ah, mais vraiment, merci beaucoup. Maman, tu exagères. Moi, on te dit qu'on doit se battre pour que moi je puisse partir en aventure. Tu dois se partir bien prendre soin de nos enfants pour qu'ils reviennent maintenant, on vit la belle vie. Tu es seulement là, tu dis que. Pourquoi. Mais tu es sans ignorer qu'il y a des maisons ici qui sont tordues comme une lame de deuil. Il y a même les autres maisons où, pendant qu'il pleut, tu vois quelqu'un chie, le caca traverse comme ça là devant sa porte pour aller devant, tomber dans la récolte. Comme pour nous que nous sommes couchés là-bas. Non, ça veut rien dire, ça veut rien dire. Il faut souvent apprendre à me supporter. Est-ce que tu dis que je veux partir en aventure, ça va produire. Je ne te supporte pas. Non, tu es exagéré. Il faut bien réfléchir avant de partir voir ta mère. Je vais aller voir ma mère. Que je viens de te dire. Oh, Manga, assois-toi là. Maman, comment vous allez alors? Comme tu me vois là, ça va. Comment vont mes petits-enfants? Maman, ils sont là. Ils sont aussi là comme ça. Et ton mari? Tellement nous vivons, comme je t'ai dit tout à l'heure qu'on devait s'asseoir avant que je t'explique bien là. Mon mari est là, mais je veux que tu me trouves un espace ici à la maison. Je veux rentrer m'installer au village avec toi. Oh! Pourquoi? Je ne veux plus rester en ville, maman. Et ton mari, tu vas laisser ton mari à qui? Maman, depuis qu'il entre dans son monde de star, de musique que tu connais là, il veut seulement aller en aventure. Et moi, je ne peux pas rester en ville avec les enfants. Je pense que je ne dois pas pouvoir m'en sortir toute seule là-bas, avec les enfants. Et tu crois que c'est ici au village que tu vas t'en sortir? Yay! Tes amis poursuivent la ville. Tes amis sont tous en ville. Ils se cherchent. Tu dis que tu veux rentrer au village. Je suis au village, je ne m'en sors pas. Tu vas arriver au village t'en sortir. Toi et moi dans cette maison. Ngan. Non. Nangantin. Reste en ville, chef. Te chercher. Reste à côté de ton mari. C'est important. Pour toi et pour les enfants. Maman, lui, veut seulement partir en aventure. Je vais faire comment? Je vais rester en ville avec les deux petits-enfants que tu connais là. Comment? Je voulais que tu me trouves un espace ici. Même si on n'est pas dans la même cuisine ensemble, tu me trouves quand même un espace où je peux vivre là et voir quoi faire par la suite. Non. J'arrive même ici comme ça parce que ça ne va pas. Depuis 3 jours même, on n'a pas mis la mamie au feu. Et tu sais qu'une mère ne peut pas abandonner son enfant. J'ai seulement dit que même si je suis dehors, ça ne donne pas comment. Je dois rentrer voir ma mère. Je sais que tu ne peux pas m'abandonner avec les deux enfants là. Non. Comme tu dis, le mariage, c'est important. Même si c'est dur, comment? Reste avec ton mari, ma fille. Maman. Tu es belle. Tu peux bien t'en sortir. Une belle fille comme toi. À mon temps, nous sommes rentrés au village.
Mais je ne peux pas accepter que toi aussi tu rentres. Reste là-bas te chercher. Reste à côté de ton mari. Maman, je t'explique depuis là, tu ne comprends pas ce que je vis. Si tu me vois porter mes deux pieds jusqu'à arriver ici, c'est parce que ça ne donne pas vraiment. Et ouais. Il n'est même jamais là. Il n'est jamais là, il est toujours dans son monde musical, dans son monde d'artiste et tout. Comme tu vois que... Et tu connais la maison même où on dort, même une toiture s'est même déjà arrachée. Et tu connais Misoke avec les eaux, les ceci, cela, les moustiques ou les rats. Je ne peux plus supporter avec les enfants. Présentement, l'autre est même malade, comme tu vois là. Et je ne sais quoi faire. Lui-même, il n'est pas là depuis deux jours aujourd'hui. Tu le laisses. Les oiseaux vont arracher ton mari. Et tu vas faire comment avec les enfants? Maman, je suis d'abord comme ça, il ressemble à quoi comme ça? Je vais faire comment? Tcha. Rentre. Rentre, ma fille. Rentre trouver ton mari. Rentre prendre soin de ton mari et tes enfants. Et tu te cherches, tu te bats. Il est en train de partir en aventure en me laissant là-bas avec les enfants. Je vais te dire trouve comment. Trouve un moyen de le retenir. J'ai fait comment avec ton père? Parce que d'abord, je vais essayer de trouver l'huile sur les crânes au village. Tu penses que je peux partir là-bas? Je me noie dans l'eau. J'ai hâte de tout faire. Je même si je veux me noyer, Fongang, tu vas me sauver. Je sais que tu fais toujours les traditions. Mais à l'heure là, je ne veux pas rester dans la maison là. Madame, je sais pourquoi tu veux partir au village. C'est parce que tu veux la liberté. Et tu as dit qu'elle te parle justement, je veux parce qu'elle est peur de toi. Dans tous les cas, qu'elle te laisse partir rester dans votre village, mieux j'appelle mon grand-père au village. Il y a les hectares là-bas, il y a tout l'espace que tu veux pour rester. Appelle qui tu veux pourvu que je ne reste plus dans la galère qui est en ville. Ok, c'est bon. C'est bon. Je vais l'appeler. Appelle qui tu veux. Je vais l'appeler. Tu es pressé. Comment? Je ne pars pas dans la maison. Hein. Quelle maison ça? Sans porte, sans fenêtre. Allô, grand. Maman, mon père ici, tu ne connais même pas. Ah. Il fait les dents, les rivages, la vie, il tue tout. Dégage. Ouais, tu viens seulement nous chercher quand tu as le problème. Voilà, samedi 7 nuit. Conseil de changer ta garde, robe vestimentaire et caleçonnier. Oui, les caleçons. Tout ce que tu as comme les chauves, tu crois, tu jettes. Je veux te nettoyer. Les saletés comme ça, la piste des salisses. Tout ça, tout c'est le foutu, tout c'est quoi. Je veux arranger, je veux nettoyer ça.